peux laisser les Mohicans ? Oui. Mohican, c'est de la musique qui est basée sur de l'électronique. Il n'y a pas de son, en fait. La salle va être hyper silencieuse, à part la batterie. Pour ça, vous allez avoir des casques. Comme si vous étiez à un concert, en fait, vous allez entendre ce que vous entendriez en concert classique de Mohican. On a placé à peu près comme en classe ou à l'orchestre du conservatoire le dispositif, c'est-à-dire les cuivres. Les trois cuivres sont sur l'estrade. Au fond, il y a trombone, basson, violoncelle, et puis après on va de plus en plus aigu. D'accord ? Donc on va vous faire rentrer par pupille. Ouais, si, il nous en reste. Oh, personne n'a le même numéro ni la même couleur. Hein. Oui. Deux, trois secondes, s'il vous plaît. Parfois tu voudrais voir plus loin, mais y a des têtes en plein milieu. Alors tu regardes les marins, et puis tu veux faire comme eux. Hisser les voiles, voguer au vent, et disparaître comme une idée. Savoir oublier les leçons, écrites en rouge sur tes cahiers. Tu promènes cette sensation qui multiplie ses apparitions, que t'accroches facilement, c'est sûr, à des cosses taillées sur mesure. Tu te raisonnes et tu ravales, tu fais des mots, tu fais des cales. Mais plus tu caches, plus tu y penses, puis tu te rends à l'évidence. Et ça fait trop longtemps que tu jongles avec les étiquettes, que les images et les moments, c'était pas là que tu voulais être. Et tous ces dessins qu'on t'a fait avec des traits, avec des ronds, c'est sûr que t'y es crayonné. Soit t'es devant, soit t'es au fond, facile de suivre les commentaires et d'arriver en tête au bout, facile de se faire applaudir, de se faire chanter par les fous. Il y a un temps où les héros suffisent à remplir les histoires, puis vient le moment où ces salauds te laissent seul avec ton miroir. Un jour tu vois bien jusqu'au fond et sûr que ce que tu vois surprend. Faut le temps d'une respiration pour s'approcher des sentiments. Avec tes envies à bascule, ça fout le tournis des grands fonds. Et tous ces gens qui gesticulent en te criant leur solution. Le courage de la vérité, c'est faire voler les artifices sur ton visage dans le reflet, sur qu'on les voit tes cicatrices. Ça crève l'écran mais elles sont belles que le nudiste, toi à tiroir. Tous ces témoins accidentels, observateurs, prémonitoires. Ça suffit d'écouter les morts et de tout compter sur ses doigts, jeter la peur par-dessus bord. Il faut danser avec les choix, et puis tant pis pour les adages et toutes les vérifications. Il faut les vies en dérapage et des histoires sans sommation. Savoir faire un point sur le plan et puis courir jusqu'au matin, sans quitter des yeux l'horizon, sans faire de pause sur le chemin. Sourire complice avec la peur, ce qui est fier et rare, juste un regard vers l'intérieur. Alors tu coupes et puis tu pars.